Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est Anto, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau sujet. Aujourd'hui on va parler de fournisseurs dropshipping en France ou plus globalement en Europe. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour répondre simplement à plusieurs mails que dernièrement j'ai notamment reçus de personnes et surtout de débutants et bien qui se lancent dans le dropshipping et qui se posent la question et qui me posent justement la question. J'ai un petit peu peur que finalement le délai de 17 jours à peu près pour faire la livraison m'empêche de faire des ventes, etc., etc. Alors moi, en toute honnêteté, je peux vous répondre même ici, non, il n'y a absolument pas de problème. Je peux vous dire, c'est pas prêt d'être fini, il n'y a pas de souci. Vous aurez beaucoup de personnes qui vont attendre tranquillement leur livraison. Il y aura pas de souci par rapport à ça. Maintenant, si ça vous prend trop la tête, que vous avez un petit peu... que ça vous freine en fait dans l'avancée de votre construction de boutique dropshipping, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir justement trouver des fournisseurs de dropshipping en Europe. Écoutez, finalement, la réponse, elle est vraiment ultra simple. Vous vous rendez sur notre ami Google et puis vous tapez tout simplement « fournisseur dropshipping France »,« fournisseur dropshipping Europe ». Et là, comme par magie, vous allez avoir une liste de vous allez avoir une liste de fournisseurs qui va apparaître et vous n'aurez plus qu'à chercher. Alors évidemment, c'est pas encore aujourd'hui au point, ça tend à se développer, ça va venir de plus en plus, les fournisseurs de dropshipping en France et en Europe, ça va se développer de plus en plus. Mais alors, ce que je vous recommande aujourd'hui, est-ce que vous allez trouver différents sites. Alors je vais reprendre mes petites notes ici, parce que pour rien oublier, voilà. Donc, ce que je disais par rapport à ça, c'est moi ce que je vous recommande quand vous allez donc trouver des différents fournisseurs. Soit vous allez avoir des sites qui vont un petit peu les répertorier. Ils vont les répertorier, vous allez avoir différentes colonnes avec les noms des fournisseurs européens, avec peut-être les frais de livraison, les frais d'accès au catalogue, etc., etc. Donc quand c'est comme ça, c'est bien. Après, il y a d'autres sites qui vont vous proposer directement des fournisseurs en Europe et en France, ou même des sites directement qui proposent du dropshipping. Et puis, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous pouvez taper dans Google fournisseur e-commerce ou des choses comme ça, essayez de tester plusieurs mots-clés, fournisseur e-commerce France ou des choses comme ça. Et quand vous trouvez et puis qu'il n'y a pas écrit qu'ils font du dropshipping, n'hésitez pas, contactez-les, appelez-les. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait pour un produit en particulier. Alors évidemment, ce serait trop beau, je ne vais pas vous dire quel produit. Petit curieux. Et sinon, donc pour revenir à ce que je disais, le produit en question là que je parle, ce que j'avais fait, j'avais appelé directement le fournisseur. Puis je lui ai expliqué un petit peu est-ce qu'il faisait le dropshipping finalement, parce que moi ça m'intéressait. Et il s'est avéré que oui, effectivement, il faisait du dropshipping. Alors là, les questions que je vais vous recommander de poser, c'est des questions que je lui ai posées justement à ce fournisseur là et que vous pouvez poser aussi vous aux fournisseurs, même si c'est des fournisseurs dropshipping que vous trouvez sur Google directement. Donc les questions à poser, j'avais posé donc voilà, est-ce que vous faites du dropshipping? Ok, là on est d'accord, si oui c'est bien, c'est cool. Et vous leur demandez aussi est-ce qu'ils ont une application qui va pouvoir se relier à votre fournisseur, à votre plateforme e-commerce. Donc si vous utilisez Shopify, essayez de leur demander si est-ce qu'ils ont une application qui peut se relier pour vous faciliter la tâche. Sinon, il faudra tout faire manuellement, bien que ce n'est pas un problème, puisque quand il s'agit de vendre, moi je peux vous le dire tout de suite, j'en ai rien à cirer, c'est pas ça qui va m'empêcher en fait. C'est pas ça qui va m'empêcher de synchroniser. Après, oui, il faut être plus prudent, ça va être par rapport au stock, tout ça. C'est là qu'il va y avoir, ça va demander un petit peu plus de boulot. Mais moi, ça arrivait certaines fois, c'est pas grave, il n'y avait pas l'application, mais c'est pas grave,
je commande quand même, hein, y a pas de problème. Enfin, je mets ça en place sur ma boutique. Après, vous leur demandez bah, évidemment les tarifs des livraisons, parce qu'attention, vous êtes peut-être habitué aux tarifs de AliExpress et vous pouvez généralement avoir soit gratuit ou soit pour 1 ou 2 euros. Et là, attention, moi je suis tombé sur un fournisseur une fois qui m'a dit oui, c'était 15 euros la livraison. Alors vous pensez bien que 15 euros la livraison, c'est juste énorme. Tout simplement parce qu'il passe que par, comment ça s'appelle, Chronopost. Alors évidemment, c'est sûr, là, le fait que votre produit que vous allez vendre en dropshipping va se trouver en France ou dans un pays européen, donc on va dire en 3, 4, 5 jours, ça peut être livré avec Chronopost, c'est encore plus rapide. Mais par contre, attention, ça, dites-vous bien, 15 euros, c'est juste énorme sur une vente, quoi. Et puis, bah, demandez-leur aussi, est-ce qu'il y a un coût mensuel à payer au niveau de l'accès au catalogue, parce que bien souvent, bah, les enseignes qui proposent le dropshipping vont devoir payer bah, tout un tas de choses par rapport à la mise en service bah, de, par exemple d'outils qui peuvent se synchroniser avec votre boutique ou des choses comme ça, et ça va leur coûter des frais, donc ils vont bah, vous facturer finalement un petit forfait mensuel. Donc ça peut varier, il y en a ça va être très bas, il y en a ça va être très très haut, donc pensez à demander ça aussi. Et puis voilà. Et je vous dis, n'hésitez pas, prenez le téléphone, appelez, il n'y a pas de problème, appelez, c'est important, notamment si vous recherchez en France, n'hésitez pas à appeler. Imaginez, vous trouvez la perle rare, vous vendez un produit que vous pouvez livrer en 24-48 heures, je peux vous dire, vous marquez largement des points. Voilà ce que je peux vous dire bah, pour cette vidéo. Donc, pour revenir à ce que je disais bah, par rapport à AliExpress, donc, qui est globalement et massivement utilisé en dropshipping, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais si maintenant chacun est différent, si vraiment ça vous, bah, ça vous perturbe, ça vous prend le chou, ça vous empêche d'avancer parce que ça vous ennuie, que vous stressez à cause des livraisons, eh bien, cherchez des fournisseurs. Vous allez, comme je vous ai dit, sur Google, c'est tout bête, fournisseur dropshipping France, fournisseur dropshipping Europe. Vous tapez ça dans la barre de recherche et vous allez voir, il y a toute une panoplie de sites qui vont ressortir. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Et justement, je vous parlais d'AliExpress, AliExpress et l'histoire du délai de livraison. Et bien moi, ce que je vous invite à faire, cliquez sous la vidéo, vous regardez sur la vidéo et vous allez trouver 2 heures de vidéo formation totalement offerte où je vais vous montrer comment je crée en 4 jours une boutique en ligne dropshipping et que je fais ma toute première vente en l'espace de 4 jours. Et vous allez voir que c'est créé avec AliExpress en plus. Enfin, j'utilise AliExpress, c'est ça que je veux dire. Et il n'y a pas de souci, je fais la première vente en l'espace de 4 jours. Je vous en dis pas plus, je vous laisse voir ça, n'hésitez pas, c'est totalement offert. Et puis, pensez à me laisser un pouce bleu, ça me booste vraiment à vous apporter le maximum de valeur, puisque bah, ceux qui me connaissent savent que c'est mon dada, c'est mon truc, c'est de vous apporter un maximum de valeur. Et puis, bah, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez la possibilité eh bien, d'en savoir encore plus. Bon voilà, trêve de bavardage pour aujourd'hui, je vous laisse là, je vous laisse avec cette vidéo, et puis bah, moi je vous donne rendez-vous sans faute pour la prochaine vidéo, donc pensez aussi à vous abonner, très important, activer la cloche pour ne rien manquer et être à la pointe du dropshipping. Je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne journée à tous, c'était Anto, ciao ciao.